Fraîchement arrivé à Labuan Bajo, j'ai décidé de prendre un bateau à destination de Lombok. Je vais embarquer sur un bateau qui va nous permettre tout au long du trajet de découvrir des îles paradisiaques. Voilà les premières lueurs du soleil et on arrive au niveau de l'île d'Orincha. Qui a une petite particularité, c'est qu'elle y abrite des créatures d'un autre temps, qu'on appelle les dragons de Komodo. Ensuite la traversée en direction de l'île de Lawalo. Une île qu'on a parcourue à pied pour rejoindre les hauteurs et profiter de ses beaux panoramas. Et puis là on a vécu un truc de fou. Depuis le pont du bateau, on a tout simplement profité du spectacle qui s'offrait à nous. Jesus Christ! Oh! Oh my God! On s'est ensuite enfoncé dans la forêt pour rejoindre la belle chute de Matajitu. On a profité de l'instant tout comme au stop suivant sur l'île de Bédil. Est arrivée la dernière journée de cette expédition où on voyait Lombok se dessiner à l'horizon. On s'est donc arrêté sur l'île de Kenawa qui nous a offert un magnifique point de vue sur le volcan de Lombok, le Rinjani, qui sera mon défi dans quelques semaines. It was great. It was so good. Super. We saw many komodos. Dolphins. Many dolphins. You had a great time. The best sunset so far. It was great. The dolphins, the sunsets, everything was perfect. I really enjoyed it. 70% of the time, it was just awesome. One word, yes.